Taylor Mabika s'est imposé dès les premières minutes du combat et n'a pas tardé à mettre son adversaire au tapis plusieurs fois sous les applaudissements du public. Au 7e round, une série de coups va ébranler le Ghanéen qui pose un genou à terre, puis un second. L'arbitre décide alors d'interrompre le match. Taylor Mabika est sacré champion d'Afrique catégorie poids lourd léger. Hier, j'ai joué ma vie, en quelque sorte. J'ai attendu ce moment très très longtemps. Les enjeux, comme vous l'avez vu hier, c'était de gagner et espérer une place au niveau mondial. Et puis voilà, c'est fait. Quelques minutes avant le combat, nous avons suivi le boxeur dans le vestiaire au gymnase militaire de Libreville. Mabika reçoit les dernières recommandations de l'arbitre et de ses entraîneurs. Des entraîneurs qui n'hésitent pas à faire des comparaisons flatteuses, ils ont toujours cru en leur poulain. Il avait une force frappe sur lui, il ne reculait jamais. Alors il fallait même mettre les ingrédients, donc savoir le travail, comment faire des esquives latéraux, des esquives rotatives, et savoir faire des fins de corps qui lui manquaient. Il était un brut, il ne reculait jamais. Il était à peu près, lorsqu'on parlait de Tyson dans ce jour, de ce nouveau jour. Quand il avait 20 ans, 18 ans, Tyson, il reculait jamais. C'est après qu'il a été le vieux vin qui est devenu le bon vin. Quand il a commencé sa carrière pro, on était à 10 000 lieues d'imaginer qu'il pourrait décrocher une ceinture continentale. Mais 10 000 lieues, on sait qu'on n'entraîne pas un sportif si on mésestime ses capacités. Donc il a de réelles capacités. Et à chaque entraîneur, il a enfoui au fond de lui la plus haute marche. Ça peut être la plus haute marche. Quand vous avez un boxeur amateur olympique, la plus haute marche, ça va être une médaille d'or olympique. À 33 ans, le Gabonais a déjà un long palmarès derrière lui. 112 combats en amateur et seulement 9 de perdus. 8 fois champion du Gabon, 3 fois champion d'Afrique centrale, vice-champion d'Afrique en 2006 et 2 fois champion d'Afrique en 2004 et 2007. L'objectif pour 2014, la défense de son titre, qui aura lieu en mai. D'ici là, Taylor Mabika n'a pas d'autres combats de prévu, mais il étudie de nombreuses propositions. Son retour en France est prévu début février.